Rétroactif. Bah, rétroactif, c'est un cheval, c'est un chouette cheval là, qui voilà, c'est un bon serviteur. C'est un cheval de Grand Prix de province. Il venait deux fois troisième là. Là, je vois, je vais l'essayer monter. Il est sorti à la promenade là. On va essayer de le travailler deux trois fois monté. On va voir si ça va bien. Il pourrait court monter, mais attelé, il est à suivre. C'est un bon cheval de province. Ultradidacte, c'est un super cheval. Hein. Maintenant, la dernière course, il est passé carrément à côté. Hier. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'avantage, Christophe. Il a un tour de l'arrivée, il s'est arrêté net. Il a fini très très loin. Mais il est revenant de dernier, derrière? Non, il y a un souci avec le cheval. Donc voilà, je pense que j'aurais le faire opérer. Voie de palais parce que il y a un souci de respiratoire. Calypso Face, c'est un cheval qui est arrivé il y a 2-3 mois à la maison, qui a certaines qualités parce qu'en Suède il a fait des bonnes courses. Maintenant, moi je ne l'ai pas encore comme je dois l'avoir. J'ai couru une fois pour voir, c'était pas ça. Maintenant, il m'a l'air un petit peu de progresser au travail, donc voilà, on travaille dessus. C'est un cheval que j'ai pas encore cerné complètement ou que j'ai pas trouvé complètement, mais c'est aussi un cheval qui a marché 11, donc ça, il aura certaines qualités. Maintenant, s'il reste à la maison, ça veut dire que j'ai de la qualité, sinon vous n'allez plus le voir. Sylvie de Dufel. Sylvie Duvel vient d'être deuxième en gain hier. Elle fait une bonne valeur. Ouais, elle fait une bonne valeur. Elle n'est pas trop chargée en gain, donc elle peut bien faire. Avec ses, combien elle a? 76 000 ou quoi. Elle peut bien faire la province. Elle a une belle course à Caen dans 15 jours, 3 semaines. Ravanello, ben. Il a eu des petits soucis, mais enchaîné. Donc, il y a déjà un petit temps qui ne court plus. Bon, là, on travaille pour rattraper le temps perdu. C'est un cheval de qualité qui a gagné à Paris, qui a gagné des belles courses. Voilà, on travaille pour le ramener au meilleur. Il sera prêt, à ton avis, à quel moment? Il doit faire sa rentrée dans un mois et besoin de 2-3 courses. Si je l'avais bien en septembre, ce serait très bien. Tira de la Vallée, c'est une jument qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps. Elle est en progrès, mais je ne l'ai pas encore vraiment comme je veux la voir. Elle monte de la qualité. Donc je pense que allez, je vais bien y arriver avec. Quoi. Dès cet été? Fin d'été, oui. Cagnes? Je vais regarder le programme. Si Cagnes ou la province, quoi. Voilà. Elle est à suivre. Elle a besoin d'une ou deux courses. De remise en route et après ça, elle sera suivie. Pas du tout. Un propriétaire chanceux. Ouais, voilà. Un propriétaire chanceux. Non, c'est un cheval qui vient d'arriver. Voilà, bon, c'est un cheval qui a certaines qualités. Il a 200 000, maintenant, bon, c'est un cul. Tout ça, bon, on va essayer de leur mettre un petit peu de morale et on va essayer de faire pour le mieux. Voilà, on verra. On l'a principalement vu sous la selle. Ça va être un cheval que vous allez orienter aussi dans cette spécialité. Je sais pas, je vois moi-même ce qui est. Voilà, on va contrôler tout ça. On va regarder si on peut améliorer quelque chose ou si on peut pas améliorer quelque chose. On verra bien. Et sinon, monter, il a déjà bien fait. Bon, on va voir. Atelier monte des choses le matin? Pas assez, il est trop tôt. C'est trop tôt pour moi pour analyser tout ça. Bon, voilà, il a gagné 200 000, donc il doit trotter quand même. Mureroy, qu'on connaît bien dans les quintés. Voilà, Mureroy, c'est une chouette jument qui a pas trop d'engagement tout de suite à sa. Pour elle, quoi, elle a pas des boutons. En plus, elle est bien à Paris. Donc, c'est le sol qui doit lui plaire. Je sais pas, elle est bien à Paris. Elle fait toujours des bonnes valeurs à Paris et elle fait des moins bonnes à l'extérieur. Donc j'attends et si je ne me trompe pas, elle a une belle course le 19 août à Paris et j'essaie de préparer au mieux.
Quattro écu, ben Quattro écu, faut plus le présenter quoi. C'est un chouette cheval hein, qui a fait des beaux trucs et qui nous donnait beaucoup de plaisir en gagnant la Côte d'Azur et des autres belles courses. Voilà, il commence un petit peu à devenir un petit peu plus vieux. Voilà, il est au repos, j'ai fait la passe sur l'été avec lui. On va voir, on va essayer, mais s'il montre qu'il ne revient pas au niveau qu'il était, je n'assisterai pas. Il va trop donner plaisir pour courir derrière les autres. Tourbillon, c'est un cheval qui vient d'arriver il y a 2 mois à la maison, qui montre des qualités, même si c'est pas un vrai cheval du matin. Mais c'est un chouette cheval et qui m'a rassuré hier en gain. Il est fini 5e dans mon quintet. Vu les gains qu'il a et la course qu'il a couru hier, c'est bon augure pour gagner. Il faut qu'il y en a qui me tourne pas le quelques courses en province. Oui. New Way, ça c'est un cheval que mon cousin a fait achat sur nos conseils de Christophe et moi, avec Karl, un ami aussi de Suède. C'est un cheval, un très chouette cheval, qui a suivi. Il n'a pas encore les gains, mais c'est un cheval, il a été 3e à Paris il n'y a pas longtemps. Il était second en 19 à Caen. C'est un cheval qui peut faire une belle carrière. C'est un bel espoir. Oui, c'est un vrai bon cheval de Grand Prix de province. C'est un cheval qui peut tripler ses gains si tout se passe bien. Alors. Player Cémoni, c'est un cheval que j'ai pas encore cerné complètement. Il n'a pas trop de gains. Je peux pas dire qu'il n'a pas de qualité, mais je ne l'ai pas encore cerné complètement sur ses valeurs. Et voilà, je le travaille d'abord et on verra par la suite. Un Sapien Désert qui a eu aussi un petit peu des problèmes de santé par le passé. Là, il vient d'être 3e à Caen dans un lot correct. Voilà, c'est un bon petit cheval qui est toujours à l'arrivée. Un cheval à suivre dans toutes les courses de province. Rêve avec moi qui vient d'être 5e ici à Caen. Bon, c'est un cheval qui a bien travaillé. Il peut encore gagner sa course, mais bon, il a fait le plus grand de son boulot. Et plus trop de marge. Voilà. Ah, il faut changer. Hein. C'est pas bien, ça. C'est bien, hein. Sol Emilio qui vient de gagner vendredi à Caen. Non, non, lundi à Caen. Qui vient de gagner lundi à Caen, en apprenti. Qui est en plein progrès. Ouais, il vient de gagner 3-4 courses là. Voilà, je crois qu'il a fort progressé depuis qu'on a changé, qu'on a trouvé un petit peu les problèmes de pied et qu'il y a la ferrure qui allait avec. C'est un cheval qui peut doubler ses gains. C'est reparti. Ravello, c'est un cheval qui nous a fait énormément plaisir. Hein. Il a gagné beaucoup de grands prix en province. Et voilà, il a deux belles courses là cet été à Caen. Il vient de faire sa rentrée. Il a besoin. Il faut qu'il progresse sur cette course-là, ça c'est sûr, pour faire l'arrivée. Mais bon, on va un petit peu travailler autour, on va faire notre mieux pour l'amener au mieux pour la course, les belles courses qu'il a en route. Singapour Sling, c'est une très 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 bonne jument. Pas de tous les jours, elle n'a pas été très chanceuse. Hein, à Toulouse, dans le GNT, elle avait été gênée. À Paris, elle s'est mal embarquée, elle a fini 3e. La dernière fois, elle a pas un bon parcours pour elle. Voilà. Après, bon. Mais c'est une jument qui est à suivre parce que c'est une jument vraiment de qualité. 20. Le roi des blagues. 20, il avait bien fait un très beau meeting d'hiver. On l'avait arrêté parce qu'il avait fait un bon meeting et c'est un grand cheval de ça. Maintenant, j'ai un petit peu de temps à le ramener au niveau qu'il était cet hiver. Il vient de finir 5e, il m'a pas plu très. Il venait pour gagner, il est resté là. Bon, un petit peu de boulot, mais je ne m'inquiète pas, c'est un choix de qualité qui va revenir à un bon niveau. Ça, j'en doute pas. Ténor de source, c'est un très bon cheval qui a eu des ennuis, des problèmes de jambes, mais qui reste que sur des victoires et des places. Et là, il vient d'être 2e battu. Il y a un mois qu'il n'a pas couru, donc avec ses jambes qu'il a, je ne peux pas trop le travailler. Et là, il a une belle course à Caen bientôt. Là.
avec la course qu'il y a eu à Amiens, il ne devrait pas être loin.